Ça en fait YouTube, je suis Sugub et je suis très content de vous retrouver pour une expérience qui a l'air incroyable. The Runner 2, Jungle Traveler. Et pour l'occasion, on va se mettre en Lara Croft. Allez là, Lara. Non, c'est Vitiligo. Pourquoi il a la tête de Lara Croft si c'est Vitiligo? Lara chelou. Lara old style. Lara Croft. Voilà. Voilà. Elle est dans la fusion passe. Je ne sais plus de quelle saison d'ailleurs. Désolé, j'ai tellement la dalle. Alors, si vous jouez à cette expérience, je vais vous montrer le code créateur. Normalement, vous l'avez tout le temps en haut de l'écran. La musique. Il faut savoir qu'il y avait eu une expérience Tomb Raider. Le manoir de Lara Croft, je sais pas si c'est toujours disponible. Là, il n'y a pas le code de ligne. Ah si. Code créateur Otaku Game. En minuscule ou en majuscule, c'est pareil. Team Skyscraper. The Runner Cyberpunk. Oula. Hop. Il y a quoi aller hein. Ah c'est là le départ. Effectivement, nous sommes bêtes. Quel idiot. Mais il dit qu'on peut les connecter. Qu'est-ce qu'il veut qu'on connecte? Que voulez-vous que l'on connecte? Bah, de toute façon, en vrai, il y a mis une flèche par là, tu vois. Quelle saloperie! En plus, c'est écran japonais. Arigato gozaimasu. Obligé. Hey, checkpoint, ça donne de l'XP. Non, on est d'accord qu'il troll en fait. Il dit vous pouviez utiliser une... un arc. Sauf que non, frérot. On ne peut pas utiliser un arc.
C'est moi ou c'est pété? Attends, regarde là. Oh! En fait, ça marche parce qu'il y a des gens qui avaient déjà fait en bas. C'est incroyable. Oh, comme j'ai trop couru. Non! Let's find the rope. Mes frérots. Je suis tombé, la rope est de l'autre côté là-bas, tu veux que je fasse quoi? Hey, j'ai fouillé. Est-ce que le frère n'a pas une rope? Oh, il a la rope. Eh, hey, je me suis dit sur un malentendu. Sur un malentendu, ça passe peut-être, tu vois. Attends, ça veut dire que je peux descendre là, là, là. Ah, mais c'est... C'est violent, là. Mais Lara, qu'est-ce que tu fais? Arrête de te suicider, Lara. Comment ça se fait que j'ai... Que tout à l'heure, j'ai réussi à faire ça, genre... J'ai vu ça du premier coup tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Eh, hey, ça me fait rager! Faut de la patience pour jouer à ce jeu. Mais j'ai sauté! J'avais même les fesses serrées! Le gars qui a fait ça, c'est pas marrant. Puis j'ai l'impression que peut-être il avait fait ça avant, mais comme on peut grimper maintenant dans Fortnite, bah, déjà il pouvait tricher, que du coup il s'est dit bon, on va racheter des pics. Mais et la physique elle est trop bizarre. Oh, c'est tellement répétitif mon gameplay. Tout ça pour une corde que j'ai perdue. Ah. C'était bizarre parce que j'ai eu peur. Attends, je vais prendre plusieurs. En plus, je l'ai déjà fait, c'est ça le pire. Ça te pique. Non! Eh, je te jure, s'il faut chercher la corde à nouveau, je...
J'ai rien dit, c'est moi qui suis idiot. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la vidéo qui a littéralement servi à rien. Saute frérot! Eh le gars! What? Attends, on va redire parce que je crois que c'est grand japonais qu'on comprend pas en fait. Si tu essaies de sauter à la dernière minute. Ouais, c'est si tu double sautes quoi. Je comprends pas du tout. Je crois qu'il faut faire tout très rapidement, quoi. C'est le contraire, faut pas sauter. J'ai essayé. Pourquoi quand t'atterris sur ce pylône-là, en particulier, ça t'éjecte? Ah, ça m'éjecte pas là. Je comprends pas. If you try to jump at the last minute, you will be affected. J'essaie de sauter à la dernière minute. Je soupçonne que ce soit mal traduit en fait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de sauter à la dernière minute? Peut-être qu'au début faut pas sauter, qu'on a un certain nombre de sauts. Pourquoi il y a du vent des fois et des fois pas? Je rêve pas, je deviens fou. Une expérience cool, mais là je comprends pas quoi. Peut-être que il veut dire que faut réussir à sauter sans être faut éviter de faire ça quoi. Je pense que c'est ça en fait. Donc du coup, on va peut-être sauter depuis ici. Mais c'est impossible, c'est trop haut. C'est trop haut. Tu peux pas ne pas t'accrocher.
Ah, tu peux pas ne pas t'accrocher, donc c'est pété. Je saute que à cette hauteur-là, tu veux que je fasse quoi d'autre? Across the country, I finished the show and I hop in it. I got me a million, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm hot. Fly her across the country. Essayé. Je crois que la vidéo va s'arrêter là. C'est con parce que graphiquement il est bien fait. Et là, il a voulu faire un truc. Ah, il est parfait. Mais merde, je veux pas arrêter de danser. Ok. Bon, je réussis une dernière fois, mais bon, c'est tout ce résultat. Donc ça va se terminer là. Attends, ça a un genre de marché, curieusement. Oh, tu sautes plus haut quand tu cours comme ça. En fait, je me demande si tu cours de là. C'est pas une connerie comme ça? Genre, tu cours de ce poteau-là. C'est n'importe quoi! Attends, j'ai couru sur la plateforme. C'est quand tu touches le côté de la plateforme. J'ai trouvé un glitch! Sauf que non. Non mais t'es obligé de faire glitcher le jeu. Je vois littéralement pas de solution. À moins de chercher sur Google, mais je vois littéralement pas de solution. Voilà, développeur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va faire des jeux trop durs, parce qu'après, bah, tu te dis juste, ça aurait pu être sympa, mais c'est infaisable. Donc, comme c'est infaisable, tu te dis au revoir. Attends, on peut lutter contre les rats? C'est quoi at the last minute? Vraiment, j'aime pas ne pas comprendre un truc. Mais là, je ne comprends pas. J'ai vraiment la sensation que c'est mal codé et qu'il y a un problème. Total des primitifs activés, 3 millions. Ah, parce que... Ah oui, c'est vrai, il y en a déjà 5, Fortnite. C'est vers quoi, ça? Au revoir! Ah non, faut pas déconner. J'ai de la patience, faut pas déconner, pas de patience quoi. On est tout là dans Fortnite. Vous savez que samedi, demain là, c'est fini. Fortnite est terminé. Mais du coup, moi, niveau 4, vous voyez, j'ai tout fait en fait. Enfin, ouais, bon, ça, je n'ai pas besoin de le faire.
Mais voyez, ouais, j'ai fait toutes les quêtes. Sauf celle-là. Celle-là, ouais, je mérite de mieux faire. Mais à part ça, j'ai fait toutes les autres quêtes. Je suis level 130. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais... elle, là. Et je crois que la seule... Mais il me faut moins 9 niveaux pour l'avoir. Donc je pense que la seule moyen de l'avoir... C'est qu'il faut que j'achète... Non, mais tiens. Genre ça. Elle met des jetons et chaque jeton vaut un niveau. Même à ce niveau là où un level c'est quoi, je sais même pas combien ça me fait un level, bah du coup tu peux level up facilement. Bon les amis, je vous laisse, vous cherchez les otaku, c'est qui gagne le chino, c'est un artiste japonais. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ouais, en fait je suis... J'ai pas vu cette vidéo. Ok, nice. Bon allez, ciao, bye bye, cette fois-ci je vous laisse. Ciao, ciao, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, comme ça c'est en fin de vidéo, comme ça vous pouvez juste cliquer sur abonne-toi et puis basta. Ciao, ciao.